je résume pas ma réaction par rapport à ce match, c'est par rapport aux deux matchs. On a fait un très mauvais match, une très mauvaise rentrée contre la Réunion, mais par contre, après les filles ont compris qu'il fallait qu'elles jouent, et elles se sont remobilisées, oui, une première mi-temps intéressante, avec une deuxième mi-temps qui s'est manifestée par manque d'expérience. J'espère qu'avec ce qu'on a appris aujourd'hui, les filles vont se remobiliser pour travailler davantage. Il y a beaucoup à apprendre, beaucoup à faire et je sais au combien on va conserver cette motivation. Au début du match, on a eu un peu de mal, on perdait énormément de ballons. C'est qu'on a rendu le match difficile, du coup il a fallu courir pour rattraper le score parce que les filles nous tenaient tête quand même. Mais bon, à la fin, oui, en deuxième mi-temps, on a su prendre le pas et puis commencer à courir, rattraper nos ballons et mettre les buts au fond. Ben, à la mi-temps, il s'est dit qu'il fallait qu'on se ressaisisse, que malgré la fatigue, il fallait quand même qu'on montre qu'on est présente. On est là pour représenter la Martinique, donc il fallait qu'on se ressaisisse et qu'on mette nos buts au fond et qu'on attrape nos ballons surtout. Mais demain, on va essayer de, comme on a déjà été championne ultramarine, on va essayer de refaire la même chose. C'est vrai que ce sera compliqué face à une équipe de la Guadeloupe qui a quand même beaucoup de filles performantes là-bas. Donc il faudra qu'on se mette en condition pour pouvoir gagner cette finale ultramarine.